Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut fabriquer une toute petite voiture phare avec une voiture phare moulant, un pot de fleurs derrière, des roues de l'époque, c'est-à-dire des anciennes roues, une ancienne vitre. C'était un peu un phare moulant et voiture. Donc voilà, je vais vous apprendre. Il vous faudra des petits trous, enfin des petits trous comme ceci avec 4 et des roues. Ça, c'est des roues comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est des roues de l'époque ancienne. C'est les anciennes roues, maintenant il y a des nouvelles bien sûr. Donc il en faut 2, il en faut 4 au milieu. Donc les roues. Il vous faudra également une plaque rouge de 4 par 4 plates, également une autre de 4 par 4 mais cette fois-ci noire, une autre de 4 de ce côté-là et de 6 de ce côté-là, également de ce côté-là et 4 en noir et la même 4 et 6. Donc il faudra 2 plaques les mêmes, donc voilà, il vous faudra ceci. Il vous faudra également des petits blocs de 1 de haut en mettant un petit cercle, vraiment un quart de cercle. Donc il vous faudra 4 rouges, donc 4 rouges également. 4 blancs et 4 rouges. Voilà. Alors, on attaque avec des petites boules. Donc, une petite boule, on va dire ça, de gris un peu foncé. Également, du vert transparent. Du blanc, on va dire du transparent classique, mais c'est du blanc un peu. Du jaune transparent. Et du bleu juste ici transparent. Donc voilà les petites boules qu'il faut. Alors pour les vis là, il faudra un petit système comme ça qu'on va créer juste après. Et pour le système, il y aura besoin aussi de ceci. C'est un petit un petit bloc avec un trou dedans pour insérer dedans ceci. Aller dans ceci qui après tournera avec la main. Donc un bloc de 3, un demi-bloc de 3 plat, un demi-bloc plat de 2, un autre demi-bloc de plat et un autre demi-bloc de plat toujours de 2. Donc 3 plats de 2. Voilà pour le mécanisme de l'hélice. On attaque très simple les fleurs, donc une petite fleur comme ceci, une autre juste là et des petites boules en forme de fleurs justement. Donc comme ça on va les sanctionner ça avec ça, ça va faire une fleur, on va les mettre derrière comme vous l'avez vu. Ensuite pour les plats, encore les plats, genre plat, on n'a pas de petites boules qui s'accrochent, pour les accrocher entre eux. Donc très simple, 2 blancs, 2 carreaux plats, 2 rouges, 2 carreaux plats. Ensuite pour le mécanisme du phare, il vous faudra une petite plaque comme ceci qui tourne. Donc à l'arrière c'est comme ceci, donc elle tourne. Il vous faudra également ceci qui est une petite... Là, elle va s'échapper. Un petit bloc rond transparent jaune. Et ensuite un petit bloc rond pas transparent. Avec des petites rayures. 4. Et qui a un petit mécanisme à l'intérieur. Ça, on va pas obliger. Je crois que c'est comme ça. Et donc voilà. Donc, comme ça pour le mécanisme. Ensuite, très simple, la petite vitre. Et ancienne aussi également comme les roues, très simple, 4
simple. À l'arrière, c'est comme ça. Voilà. C'est donc très vieille. Une petite plaquette un peu ronde avec une petite roue, mais ça c'est normal. Pas une roue détachée. On peut détacher, c'est un peu normal, mais on se Ceci, c'est pour le bout de l'hélice. Voilà. Et pour finir, les deux barrières de 4, je pense, de 4. Donc des petites barrières avec un plat, enfin, c'est une seule pièce, mais il y a des petits grillages, c'est pour tout ça le phare. Donc maintenant on va attaquer la construction avec toutes ces pièces. On va commencer par le sol, c'est parti. Donc on a de l'aile de roue, on va prendre la plaque comme ça de 4 et de 6, on va les accrocher, donc on va les assembler. De l'autre côté, on va faire une base comme ça avec un intérieur de 2 lignes. Voilà, pour la première base. Ensuite, j'ai fini le montage, la petite voiture, j'ai oublié, vous me mettrez quand vous faites ce petit machin. Vous mettez ça par-dessus, alors c'est l'inverse. Donc on enlève cette partie là. Hop. On va enlever, c'est pas facile. Je l'ai bien accroché. En même temps, c'est important. Ah, c'est bon, j'ai réussi à enlever. Donc on met la partie là. Donc comme ceci. Juste par-dessus. On remet la rouge. Et on met le petit phare moulin. Donc là on peut dire que c'est réellement terminé, la petite voiture phare moulin. Donc je la trouve plutôt marrante, moi, avec les petites fleurs derrière, je trouve. J'ai pas trouvé d'idée pour mettre quelque chose ici pour cacher un peu le vert. Enfin, vous pouvez trouver, je pense que vous êtes des grands artistes. Donc voilà, donc là la voiture est finie. Donc voilà, je la trouve plutôt bien en vrai. Donc c'est un peu un style délire marron. Et je la trouve vraiment très cool. Donc voilà, je trouve que ça donne. On va venir fixer ici, donc là pour laisser deux d'espace et ça passe de ici, on voit pas, désolé, et ça passe de deux espaces, donc là il reste deux espaces, je sais pas si on va bien voir, mais voilà. Ensuite on va prendre une petite plaquette rouge, on va la mettre juste ici, très simple, bien que on la fixe pour que ce soit bien solide, ça tient bien. Ensuite on va ajouter, je pense, les fleurs, tiens. Donc les fleurs, hop, une de faite et ici. Et deux faites, voilà. Donc on va les accrocher. Juste avant, je voulais vous dire, vous pouvez rajouter ici ces petites fleurs, ceci mais en vert pour surélever, pour faire une petite tige, mais moi je préfère comme ça, donc je vais laisser comme ça. Mais vous pouvez l'ajouter bien sûr. Et ceci, vous allez mettre pas la partie basse, la partie un peu plus haute,
sur l'arrière comme ceci. Donc hop, on va mettre ça comme ceci. Ensuite, vers l'avant creux, on va y ajouter la vitre. Ensuite, on va prendre les petites plaquettes rouges plates. On va les mettre juste au-dessus sur la partie un peu transparente, la vitre au-dessus. Ensuite, on va attaquer le phare. Donc, pour le phare, bien évidemment, il faut prendre ces petites ailes. Donc, on va faire une forme comme ceci. Donc, on prend le blanc d'abord, je pense. Sur contre, ça va être plus joli, je pense. Donc, pour ça, je mets le blanc d'abord. Parce que si on met le rouge d'abord, je pense que ça ferait pas très bien. Donc, hop, on ajoute par-dessus le rouge, mais ça ne manque une. Là. Ensuite, vous allez prendre la plaquette qui vous reste de rouge 4x4. Vous la placez juste au-dessus. Vous allez y mettre une barre juste ici, une autre barre juste comme ça. Ensuite, vous allez installer ce petit mécanisme au milieu, comme ceci, donc ça, je vais vous faire un petit plan. Donc, ça va vous donner après une chose comme ça. Ensuite, vous allez ajouter ces deux petits blocs. Donc, les petits blocs transparents, comme ceci, et les deux petits blocs transparents, l'autre qui n'est pas transparent, vous allez les assembler, le gris rayé en bas et le jaune transparent en haut. Vous allez l'attacher à ce petit mécanisme qui est très très simple. Donc ça peut tourner, c'est génial. Ensuite, nous avons ça, ces deux petites choses. On va les mettre juste ici. Hop, dans le petit coin là. Ensuite, nous allons nous attaquer à l'hélice. Donc je vais laisser la petite voiture de côté. Et on prend tout ce qu'il faut pour l'hélice. Donc on va commencer par le vert, on met le petit truc tube gris dans le bloc vert. Ensuite on va venir on va pas attacher maintenant. Alors vous avez 1, 2, 3 normalement. Donc vous allez le mettre ici, peu importe, moi je vais le mettre. Et là vous pouvez mettre sur chaque les deux, je sais pas si vous avez très bien vu, mais on va mettre comme ça. Ensuite on va mettre le bleu comme ceci, le blanc comme ceci. Après, si vous préférez une autre méthode pour mettre mettre le bleu par exemple là et le jaune ici qui soit face à face, vous pouvez, c'est comme vous voulez. Ensuite on prend la petite boule grise, on la met au milieu et on prend ce une petite capsule. Voilà, donc on met ça. Ensuite, ici, vous avez un petit truc derrière le bout de l'hélice. Vous l'accrochez, normalement, ça fait un petit clic. On peut voir que ça tourne bien. On prend la petite capsule. On va l'accrocher sur un bloc au-dessus. Voilà. Et voilà. Là, la petite voiture est terminée.